a vraiment des livres qui sont longs. Bah fais comme moi. Moi je lis que des petits livres. Oui mais c'est pas intéressant. Vous êtes d'accord? Je lis peu de livres, mais en fait tout dépend du livre que j'ai en face de moi. Par exemple? Par exemple, si on me donne un gros livre avec beaucoup trop de pages et qui n'ont pas de masse, ça ne m'intéresse. Ça ne me motive pas. C'était au CP, je me souviens, j'avais ma maîtresse. La première chose qu'elle nous a fait le jour de la rentrée, elle nous a lu une histoire. Et je me souviens que cette histoire, en fait, m'avait marquée. Et depuis, j'ai toujours eu un livre, quelque chose. Dès que je m'ennuyais, j'avais un livre dans la main. Et c'était surtout pour moi un peu... Je pouvais m'échapper si je m'ennuyais, si j'avais des problèmes. C'est comme... C'est un peu mon jardin secret ou alors des amis que je viens voir souvent. J'aime bien cet aspect de la lecture qui nous permet d'imaginer ce qu'on vit, d'imaginer un autre monde avec notre esprit. C'est mon frère qui m'a donné envie de regarder manga. Lorsque j'étais petite, je devais avoir 8 ans, je le voyais souvent lire et regarder des mangas. Du coup, à un moment, j'ai décidé d'essayer et ça m'a passionnée. C'est le manga, effectivement, qui a plus d'intérêt que le livre chez beaucoup de jeunes. Pourquoi ? Parce que c'est un mode d'écriture qui leur correspond peut-être plus, qui est moderne. Un mode de dessin aussi. Que j'entends des personnes dire que le manga c'est nul, c'est pas intéressant, j'ai envie de leur dire qu'ils sont ignorants. La plupart des gens qui me disent ça sont des personnes âgées ou qui ont plus de 40 ans ou 30 ans. Ils pensent souvent que les mangas sont inutiles, que ça ne sert à rien. Mais en réalité, ils se trompent. Il y a des mangas très intelligents, très charismatiques, qui nous parlent de choses dures et profondes, ou alors de choses simples aussi, la société, la politique, la notion de bien et de mal. Donc pour moi, ces personnes sont totalement ignorantes. Autant on a des clients, ils vont acheter de la littérature, autant beaucoup de BD et de mangas. Vraiment, c'est très diversifié. Mais la lecture en littérature reste la même. Tu disais que tu aimais la lecture. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? J'aime la lecture parce que depuis petit, je lisais déjà. J'aimais beaucoup, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup les livres avec les images parce que ça me faisait rêver. Maintenant, j'aime plus les livres sans images parce que j'imagine plus de choses. Mathéo, j'aimerais entendre ton avis. C'est pas que j'aime pas lire, mais... Enfin, ça prend trop de temps. C'est-à-dire que quand on regarde un film, on sait quand est-ce que ça va se finir, il y a une durée. Parce que le livre, si tu lis lentement, ça va prendre du temps. Si tu lis pas lentement, enfin, c'est compliqué. Mais si le livre est bien, ça me dérange pas de lire. Une histoire bien, c'est une histoire dans laquelle on arrive facilement à rentrer, dans laquelle on arrive à se transporter. C'est validé. C'est lavé, oui. On va dire que quand j'ai besoin de m'évader, de me reposer un peu, je lis parce que ça me permet d'avoir une autre vision sur le monde. C'est vraiment ce qui me passionne, l'histoire, le fond, ou alors un message qui est caché derrière, que j'aime bien. Par exemple, certaines histoires d'amour qui peuvent être dramatiques ou alors qui peuvent se passer bien, ou certains livres qui peuvent redonner goût à la vie, par exemple, ou même parfois des fictions qui nous font voyager ou qui nous animent quelque part d'autre, qui ouvrent une autre porte à notre imagination. Mes histoires préférées, ce sont les histoires qui parlent d'esclavage, parce que ça touche vraiment beaucoup de personnes. Ça fait partie de notre histoire. Et aussi les histoires des violences faites aux femmes et du savoir. J'aime bien ces histoires-là parce que c'est magnifique le combat que les gens ont mené pour réussir à avoir une certaine liberté aujourd'hui. J'aime
particulièrement ce livre qui se nomme Simon, l'enfant du 20e convoi, parce qu'il parle déjà, comme vous l'avez dit, de la Seconde Guerre mondiale, et il est basé sur une histoire réelle. Donc tout en racontant une histoire, il me permet d'apprendre beaucoup plus sur la déportation des Juifs. Donc il me permet d'approfondir mes connaissances sur le sujet. Lire un livre, ça permet de s'évader, ça permet d'imaginer une histoire, ça nous apprend aussi beaucoup de choses. Alors je dirais aux jeunes de choisir un livre, pas forcément un gros livre, mais un livre sur un sujet qui les intéresse. Et ils verront que c'est pas mortel, que voilà, ça leur permet de comme s'ils regardaient un film, et ça serait vraiment bien. Tu vois, c'est pas si mal les gros livres. Ouais, ça va, c'est intéressant. Oh, tu lis un livre. C'est quoi? C'est Miss Peregrine et les enfants particuliers. C'est issu d'un film. Je connais le film, c'est un des préférés. Il est trop bien. Je peux prêter le livre, s'il te plaît? Non. Et vous, à quand la lecture?